qui s'en se retrouve sous notre porte plateau et mille foutes en compagnie du coach Jacques Chen. Le format de la mode, c'est Jamine. Mais ce soir, ça se voit bien. Le losange de retour. Ouais. Et ben, on est dit. C'est le 11, le 11. Marozil, enculé. Marozil, enculé. Voilà, vous ne saurez pas pourquoi, mais non, c'est... Allez, voilà. Passe la passe, passe pas d'entrée. Ouais. Si t'as un peu d'orgueil, t'es mort, hein. Ouais, on va commencer avec les mauvaises nouvelles. Ah, Saint-Rémy, là, qui se retire du championnat de N3. Tant mieux. Saint-Rémy, problème financier apparemment, mais du coup, Aubagne avait collé au cul à 7 points. On avait Aubagne, les circonstances ont fait que... Bon, c'est chiant, hein, ça aurait pu arriver à la fin, bon. Imaginons qu'on soit... Ouais. C'est un peu bizarre, hein, leur règlement... Hein, donc, ils vont retirer des points. Comment ça se passe? Ben, tout le monde perd les points. Tout est annulé, c'est-à-dire que si tu avais perdu, tu es avantagé. Bon, ouais, c'est perdu, c'est bon. Perdu, bonne nouvelle, on les a crevés quand même. On a crevé quand même Saint-Rémy, hein. Je... Aubagne, on les a crevés, hein. Bon, voilà. 3-1. Bon, j'ai peur, on va arrêter. Comment ? J'ai peur, on va monter. Bon, toujours dans les bonnes nouvelles, on va parler un peu de tous les matchs qu'on a un peu... Bon, il y a un paquet, là. Bon, il y avait la CA aussi, voilà. Moi, ah, bon déplacement. Un peu d'eux, bon. Qu'on soit en Ligue 1, Ligue 2 ou National 3, bon, ils resteront toujours égaux à eux-mêmes, un club jaloux de nous. Bon, on l'a vu, hein, quand on est monté là-haut à Timizol. J'ai cherché un peu jalousie, allez. On va dire ça. Pile poil, ça colle à ce club. Un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou ce que l'on voudrait avoir. Cela s'accompagne souvent d'hostilité et de dépit, synonyme envie, rivalité, dépit, haine. Oh, bon, ça ressemble beaucoup au club. Palmarès, supporter, tout ce qu'il fallait. C'est exactement, bon, je pense qu'on a bien résumé. Je n'y étais pas, est-ce que tu étais la comédie un peu, machin? Pas comédie, il y a beaucoup de jalousie. Bah, moi, ce qui ça me déçoit, moi j'aimais bien cette rivalité, j'ai toujours aimé. Qu'il y avait eu le club gaz avant. Elle est pas saine, cette rivalité. J'aimais bien, il y a toujours eu des trucs, mais après le match, il faut que ça soit fini, tu vois. C'est là ça où continue, ça résonne, rester dans la magagne. Et c'est pas bon que cette animosité là qui perdure, c'est pas bon. C'est pas une animosité saine. C'est pas simple, parce que à terme il peut y arriver une catastrophe, un jour et c'est con. Ah ouais, c'est guet-apens là. On répète à chaque fois, mais bon, allez, bon. Bref. Allez, je petit résumé du match, ça va bien résumer, c'est aussi le match. Hein. Je sais, monsieur, un derby corse, mais dégueulasse. C'était quoi ce truc là? Mais c'est monsieur, tout le monde a gagné. Bon, après, je reviens. J'ai lu que, bon, comme il était handicapé, qu'il est quand même. Ah, je savais pas ça. Et du continent, qui a essayé de chanter en Corse, bon, donc. Bon, là, moi, je vais pas m'insulter. En fait, si c'est non, non, mais pas insulte. Bien sûr, c'est la bagarre. De l'urgence. On est dans la bagarre. S'il avait pas été handicapé, il aurait pas chanté ça. Bon, but de Chourépo, j'ai 2-0. D'ailleurs, même les assises, ils ont rajouté un point. Ils ont eu un but en plus. 3-0, ils ont mis sur leur site. Tellement ils sont gentils. De toute façon, ils sont pas méchants. Là, ah, ben, il y a pas le mal. Bon, il y a aussi encore le Corse Matin aussi, qui nous met 500 environ. Ah, tu vois, pareil. Il y avait 2000, bon, nous, on était 2000. Exactement, 903 en parcage. J'ai compté. Hein, 903 en parcage, plus les loges. Ils étaient 300-400. On monte à 1003, plus les 10. Oui, au moins 1400. 1410 avec les assises. Là, on était. Ouais, c'est encore. Bon, ils sont grands. Hein. Ça se demande avec le Corse Matin. Bon, non, mais même avec l'OM, on attaque non, un peu, on verra si on va aller plus loin. Que ce soit le traitement du Sporting qui reste le premier spectacle de Corse, et après ces soi-disant demandes sur les pages de l'OM, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut remettre les pieds sur terre et voir quelles sont les vraies priorités. À un moment donné, il faut arrêter. C'est l'OM. Mais moi, j'aime les Corses à Las Vegas. Ça. Après, moi, pour la CA, j'aimerais bien pas clore une polémique, parce que ça m'énerve, on est toujours au centre du truc, nous on aime bien faire la magagne, on a fait des magagnes avant, oui. Tout ça, faut que ça reste dans la magagne. J'espère qu'un jour ça va arrêter, c'est cette haine, même de leur côté, hein, même des dirigeants, on l'a senti, hein, de leur service de sécurité. J'ai parlé même pas les supporters, parce que les supporters ils sont jeunes, dans 2-3 ans ils diront, bon, comment on était con de se mettre les mains, tout le monde tu te bats, c'est vrai que... Mais il faut désamorcer un peu ces trucs, parce qu'un jour il va arriver une catastrophe. Vrai, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Moi, j'imagine les dirigeants comme Ibisque. Tu fais plus de monde à Fouyan que la salle de Gazélec réunis par moment. Après, les supporters qui ont envie de se prendre un coup de poing. Après, Gilles. Gilles, après, il ne faut pas jouer les vierges effarouchées. Ceux qui veulent se prendre un coup de poing, les jeunes de chez nous et de chez eux, s'ils ont envie de sortir dehors, se prendre un coup de poing, ils se prennent un coup de poing. Voilà. Pour ça. Ils se prennent un coup de poing. Non, mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas de dommages collatéraux, ils vont t'accorder, bon. Ça va bien entre les deux. Et après, dans 2 ans, dans 3 ans, ils diront, bon, comment on a été con, ils vont se retrouver dans un comptoir à Corté, justement, comme tu dis, ou sur le continent en face. Il n'y a pas eu non plus tant que ça. C'est super. Non, mais il n'y a pas. Mais tu sens une animosité, oui. Quand même. Qu'il faudrait quand même.
L'atmosphère est toujours mauvaise. L'atmosphère est mauvaise. Au public, à ce niveau, hein, cette communion avec les joueurs. Allez, le mariage, allez, celui-là, allez, pour... Allez. Veux-tu te marier avec moi, mon amour? Ah, mais il était temps. Ils sont bons là, dans les mariages de gilets jaunes. Regarde la tête du type, regardez bien, si tu la vois la tête, on dirait Garibian, le fils à Garibian, Jean-Jean Garibian, oui. Bon, on va les laisser tranquilles, de toute façon, bon. On verra bien. Non, mais bon, il faut espérer que... Ça va être dur. Après, les gens qui le prennent mal, bon, tant pis pour eux, ceux qui le prennent mal. Bon, dans l'émission, sauf foot aussi, dans l'émission en ligne et foot, tu as évoqué un passage à Fourian compliqué avec Nîmes. Tu l'avais vécu comment? C'était une interview sur Bocognan. Sauf foot nous a mentionné. C'est beau. Ouais. Bon, ils ont regardé apparemment l'émission, ils ont mentionné ça à Bocognan. Ça prouve qu'on est. Ah, même sauf foot, comme un média, ils ont regardé l'émission entière de Bocognan, ils ont remis le petite anecdote. C'est beau. Média référent sur le club. Hein. C'est bien. On n'a pas vu Sportique de Bastia a dit que c'est mine un foot. Moi, je suis content. Doucement, Gilles. Oh, pardon, je n'ai pas fait exprès. Ah bon. Allez, on va te face à Aubagne. Allez, on regarde un peu la compo. Alors, il y a deux coachs. Je ne sais même plus à qui demander. Il y a le coach là et coach là. On n'a pas vu le match. Venez là dans les plateaux, mais pas les matchs. Comment on va faire? Moi j'étais à Ajaccio, je jouais un match merveilleux contre les U14 de Vico. Le coup vengeance. Bon, Chour qui revient encore, absence de Thion et Chour encore. Notre Val. En plus, c'est lui qui donne un but, le premier but à Santé sur une ouverture. Bon, c'est pas mal. Mais bon, après, ça empêche le petit Akani, parce que moi j'aimais bien. Le petit Akani l'année dernière. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il a été bon arrière droit et il a été bon là. Hein. J'ai trouvé même meilleur agressif. Comment on va faire alors quand il y a un petit jeu comme Akani? Le souci d'Akani, je pense qu'il ne compte plus dessus et que. Oui, je pense que malheureusement, c'est fermé quoi. Pour c'est con pour Jérémy Santigne aussi, hein, qui était sur le banc et qu'il a préféré mettre Chour. Donc c'est un message, donc c'est que Chour. C'est qu'ils sont jeunes, ils n'ont plus le contrat. C'est un des derniers gros tournants. Donc. Chour a plus d'expérience, même plus de sûreté. Oui, après, je pense que d'ici la fin de saison, on reverra peut-être ces jeunes-là. Moi, je suis pour que Jérémy aussi s'installe, reste enfin. Comme c'est un jeune de chez nous, tout ça. Mais Chour, c'est intéressant. Hein, il avait déjà joué comme à ce poste-là, en coupe contre. À gauche. On avait joué à gauche, au moins contre Lorient et tout, en coupe, il avait joué à ce poste-là, il avait déjà été très bon. Donc, Je pense qu'il va encore un peu d'agressivité, parce que tu vois que c'est pas le joueur méchant. C'est un joueur offensif. Il a quand même relevé l'enculé du 11 à Moud, hein, quand il fait son cinéma sur le corner. C'est lui qui est allé le... D'ailleurs, c'est la plus mauvaise entame, tout le monde a dit. Il y a plusieurs entames du Sporting depuis bien... Tu sais, Gilles, tu payes le contre-coup de la coupe, tout ça. C'est parce qu'il y a la fatigue, on a senti de la fatigue. Même de la fatigue, mais aussi, moi je pense que le contre-coup moral, médiatiquement, on a été quand même... Sous l'effet des projecteurs. Il y a quelque chose, on n'était pas à fond. Et les joueurs, et les... Là, on est retombé un peu près dans un stade de 3000. C'était l'après-midi, tu vois, Tchèvre qui a perdu. Donc, tu as son contre-coup, hein, c'est normal. C'est pas évident. Bon, justement, l'attaquant Hamoud, tu en parlais. Là. Comment tu as trouvé alors c'est Mahmoud ou Hamoud Hamoud, comme il a fait. Il est complètement fou. C'est fait exprès, Jean-Marie. Écoute, on peut pas dire. Moi, j'ai vu quelqu'un de la sécurité le lendemain, le dimanche matin, de bonne heure, on s'est bu un café. Il m'a dit, Jean-Marie. On est allé voir l'entraîneur avant, pendant le début du match. On lui a dit, faites-le arrêter, ça suffit. L'entraîneur était prêt, il dit, oui, mais c'est bon, il va se calmer. L'entraîneur adjoint en t-shirt noir, en truc, l'a ramené. Il y a eu un début d'échafouré, Dib, le président, tout ça. Salope. Et sur la mi-temps, tout le banc de touche d'Aubagne le pourrissait, le 11. Il lui disait, arrête de parler, tu parles avec l'arbitre, avec les joueurs. Tout le banc de touche le pourrissait. Et lui disait, à la mi-temps et à la fin du match, mais c'est génial une ambiance comme ça, j'aime jouer comme ça, ça me plaît, jamais ça m'arrivera encore. Et les gens ils ont dit oui, mais de faire semblant de tomber par terre, de prendre un truc,
tu nous ruines, quoi. Je veux dire, c'est pas bien, tu vois. Mmh. Mais il était complètement insulté. Il a dit, je veux signer chez vous. Hein. C'est, mais c'est pas un acte prémédité. C'est ce qu'il a dit, lui, je pense. Lui, c'était son kiff. C'était son truc, il aimait l'ambiance. Par rapport à un temps de match, est-ce qu'il a... Enfin, il a du coup... Non, il sort le but, il marque le but et il fait... Il a marqué un beau but. Il marque un beau but, ça. Ça, c'est un joueur de foot. Il fait une icard, il fait une... Je sais pas, il fait ce qu'il veut. Attends, il y a 20 boules de pétanque en dessous et partent. Bien sûr. Après, ça, il le sait aussi. Mais c'est le joueur de foot. Même moi qui dis qu'il ne faut plus rien tirer, je vais tirer quelque chose, je veux le dire. Mais c'est, il fait perdre son équipe qu'en faisant ça. Ah, ça réveille un peu. Il a pas réfléchi. Mais c'est lui, parce que justement, comme il dit Gilles, on n'était pas dans le match, tout ça, bah, ça a été bon à prendre samedi. Là, tu mènes à zéro, tu te positionnes bien. Son entraîneur, s'il regarde l'émission, c'est à cause de ton ce que tu as perdu. Ah, le but, il est beau le but, il exécute bien, regarde. Seul, hein. Tout le monde a disjoncté, tout le monde. Ils ont envie de rentrer sur le terrain. Hein. Tout le monde en haut, même les vieux, tout le monde. Bon, il a même pas réussi son coup parce que ça fait la différence. Il fait pas ça autant, on perd le match ou match. Mais bien entendu, tu après, il a eu pas. Voilà, 5 minutes après, aïe, regarde, il a pris un petit temps. Oui, il prend un beau temps. Il s'allie sur le genou. Et oui, je l'ai vu en tôt ce matin, j'ai dit putain, tu mets. Mais il a dit qu'il a des bons rapports avec lui parce qu'il le connaît depuis. Non, mais après, c'est pour te dire que c'est un soldat en tôt. Moi, là, son il m'a dit qu'il a joué contre lui à UCS, contre il joue à UCS. Bon, McFly, là, c'est sur Facebook. Il a joué dans Paris. Il joue à UCS, bon, il jouait au Cassie Carnou, il a plein de clubs de Marseille, quoi. Un petit ambulancier, regarde. C'est un ambulancier gentil, voilà, McFly, bon, je sais pas pourquoi. Bah, il a même posté une vidéo sur son Instagram avant, t'as la vidéo aussi. Hein. Ouais, ça, j'ai vu. Je joue contre Barcelone. je savais pas que j'ai joué contre Barcelone cet après-midi. Le type, ça lui plaît, hein. Je savais pas que je jouais comme Barcelone. Je savais pas. Ah, dis-nous. Au moins, dis-nous. Apparemment, je joue comme Barcelone. Je sais pas, discours de 3 heures, pression. Barrière de Bastia. Le coucher. Oumba Touti. Il est quand même fou. Il est pas mal. Si on le voit à fort, tu comprends. Quand tu le vois après, ça fait rigoler. Je suis là chez nous, il vole. Ah oui. Non, mais tu vois qu'il avait envie de se faire plaisir. Il a vu 3000. Il a dit, le Bayern de Bastia, le Barça. C'est long. Bon, le jeune Aki, il a quand même mis ses deux buts. De jeune Aki. En tout cas, il a montré depuis quand qu'il est là. À Guinésime, notamment le dernier but. C'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder quand même nos buts. Allez, les buts Bastien. Ah, chaud, là. Allez, ça. Le gardien, il est pour lui. Le gardien, c'est une catastrophe. 300%. Le seul blanc dans l'équipe, le gardien. Blanc de merde. Alors, le gardien Bravo. Mais le 11, le gardien nous aura mis dans le match. Hein. Ouais, je crois qu'il était un peu intimidé. On m'a dit si le gardien était pas bien et de voir du monde. Bon, après, pas bien de voir du monde. Il voulait partir à 58. Il n'y a qu'à faire fleurir sur Leclerc. Il va pas voir du monde. Ils sont impressionnés. Il y en a, ils sont impressionnés. Lui, tu voulais s'en aller. Il fait le match à 11 000. Comment ils s'en sortent? On était que 3 000, mais c'était chaud. C'était violent. Je comprends. Il a cogné les yeux. Il a mis l'étincelle. C'est évident, mais bon. On a vu des calmes et s'énerver là. Ah oui. Bon, 10e but de Benjamin Santé, j'ai pris le classement à ex-aequo avec Mesba. Il recolle, c'est énorme, hein. Bon, Mesba est sur le banc, il était sur le banc d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec Mesba? Donc, je sais pas, ça fait 3 fois qu'il est sur le banc. Non, mais c'est changement. Après, vous voyez, il fait une mimique bizarre. Hein. Non, il a quelque chose. Non. Lui, alors le président. Il est perturbé, il a des contacts, il est perturbé. Oui, non, mais c'est quelque chose, lui. Non, je pense que c'est un choix de coach. Tu as deux pointes qui sont Mesba Santé. Je pense que selon les matchs, il s'adapte avec les différents profils qui s'offrent à lui. Bah après, ça lui arrive souvent de mettre Mesba à droite quand même. Bah, en même temps, je pense que depuis un certain moment, il met soit Chour, soit Poch, voire Agui. Donc je pense qu'il voit plus Mesba comme une pointe. Après, le fait c'est vrai que qu'il le fait rentrer mais peut-être à un certain moment dans. Le fait de mettre quand même Chour arrière latéral et que Mesba ne démarre toujours pas, ça fait. Moi, j'ai entendu qu'il ne voulait pas mettre en concurrence Mesba et Santi, dit le coach. C'est ce que j'ai entendu, moi. Pour pas les mettre en concurrence, du coup, et. Bah moi je pense que Mesba à terme je le vois un peu comme un joueur comme Alain Zouzi qu'on avait, comme le bison. Le bison, oh c'est. Ça va être je pense un joueur, bon peut-être qu'il partira s'il choisit de partir, essayer de faire une carrière, tout ça. Mais au club je pense qu'il peut gravir plein d'échelons avec nous.
et qui peut jouer. Ce ne sera pas un joueur qu'on verra, c'est vrai, sur des débordements ou des... Mais il va toujours marquer sa dizaine de buts, même qu'il quel que soit le niveau. Qu'il soit patient, qu'il travaille. Non, mais je pense que quel que soit le niveau, dans un rôle de joker, tu vois, Lazouzi, il marquera quoi, toujours Lazouzi. Des buts. Après, ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas tous les jours en entraînement aussi. Il y a des semaines d'entraînement qui sont. Peut-être voilà, aussi, oui. Peut-être qu'il est moins bien en ce moment. Oui, c'est chose, très important, chose, hein. Ça, on ne le sait pas. Hein. Bon, après, Santelli, c'est mais après, qu'il... Santelli aussi, il marche sur l'eau, même s'il marque un petit peu moins bien. Ouais, mais un il est puissant. Il apporte énormément dans le jeu. À ce niveau-là, un gabarit comme un Santelli, c'est sûr que c'est beaucoup plus pesant. Mais je pense qu'on verra. Je pense qu'on verra beaucoup, n'est-ce pas? Physiquement, à la fin de saison, il va encore marquer. Puis d'ici la fin de saison, il peut essayer peut-être Santelli sur un côté. Quand tu sais déjà sur la montée, l'année prochaine, peut-être tester autre chose. Pas dans l'axe, tu mets Santelli sur le couloir gauche peut-être ou le couloir droit pour qu'il repique son pied. Tu seras 10 buts chacun, ça va mettre un peu de. Oui, bien sûr. C'est un peu de ravata, il y a même l'entraîneur qui se met un peu. Peut-être que tu verras même un système à deux pointes avec mes bien sûr. Santelli, on sait pas. Bien sûr. Mais moi j'aimerais bien voir un jour un système à deux pointes. L'influence du match. Ah voilà, après il pourra peut-être 4-4-2, tu cherches autre chose. J'ai regardé les VIP pour les matchs comme ça, on les voit pas, les petits fours, les mangeurs de petits fours en présidentiel. Ils nous ont gonflé avec les VIP complets contre Caen. Alors c'est sûr que de conforter bon, après le populaire. En général, le samedi 15h, c'est 14h. Non, c'est très bien 15h. Ouais, c'est très bien quand même, les gens travaillent. Tu deviens même les éducateurs. Mais, hein, non, 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 moi j'avais pas de contraire. Là, je suis du côté du peuple. Ceux qui mangeaient les petits fours contre Caen, je sais pas s'ils travaillent le samedi après-midi. Ah, j'ai dit, vu les coups de fourchette qu'ils avaient, je vois pas beaucoup. Je ne vois pas que du VIP, moi je vois pas beaucoup. Oui, bien entendu. Le samedi 15h, beaucoup de gens qui travaillent. Et puis en famille. Ça, je suis d'accord avec toi. Et puis en famille, surtout. On conforte ces gens-là après. Ah oui, le VIP. Les équipes de jeunes jouent, par exemple de Loïc. L'exemple de. Je dirais, il y a plein de gens, les équipes de jeunes jouent. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué aussi le dimanche 15h. Attention, au niveau du. Il y a autant de matchs. Il y a autant de matchs le dimanche 15h. C'est pareil. Après, le samedi, il y a des gens qui travaillent aussi. Hein. Ouais, classement. Dans ces classements, avec Saint-Rémy, hein, on verra encore Saint-Rémy. Bon, moi, je comprends pas. Non, mais Saint-Rémy, ils vont te le laisser comme Guignon à l'époque, Gilles. Ils vont laisser jusqu'au bout ça. Guignon à l'époque, quand on était champion national 1, a fait forfait. Et encore, ils ont fait forfait bien avant, eux. Hein. Mais quand est-ce qu'on aura la fin? Eh ben, ils ont été classés jusqu'à la dernière journée. Non, Gilles, reprends. Hein. Non, bien après. Normalement, tu as après ces deux forfaits, tu as le forfait général. Donc, je pense que ça va être mis à jour le tableau. Mais bon, il va être mentionné. Ça, voilà, c'est bon. Oui, après, bon, c'est bon. On a 10 points. Voilà, points, voilà. Points, voilà. Points, 14 points bleu, allez. 10 voilà. Points, c'est excellent. Là, on a pu creuser pas. Les cas. Hein. Bon, il y a un peu les idées. Bon, je vais pas être. Il reste 10 matchs. Allez, il y en a 10. Cannes, Villefranche-Côte-Bleue et Le Pontet pour les déplacements. Et après, ici, on va voir le FB, le Cannes. Ça veut dire on ne perd pas à Cannes. Et Istres. Ça veut dire on perd pas quand même, c'est ouais, faut pas perdre. Ça sent franche, ça va être compliqué, c'est tout. Ouais. Ça sent bon la N2 quand même, on peut le dire. Allez, faut pas perdre. Ça sent bon la N2. Ça sent bon. Oh, allez. Ah, mais je pense qu'ils en sont conscients eux aussi. Hein. Que c'est bon, 10 points d'avance, même bon, Stéphane. C'est fait, aussi, ils avaient annoncé qu'il y avait un recruteur. Tu m'as dit ce matin que c'était un recruteur du gaz. Qui était venu superviser. Ah ouais, non, il y avait des dirigeants du gaz, hein, oui, du gaz. Qui, mais tu comme sais pas les... qui supervisait des, non, c'est des gens du gaz pour nos joueurs, hein, sûrement. Ah, il y a des joueurs à boire, hein. Après, tu as beaucoup, rien que le match. Vincent. Le match contre Caen, ça ouvre les yeux à pas mal de personnes, hein, je pense. Hein. C'est énervant. Hein. Ah, c'est le jeu. Il y en a qui viennent là pour ça. Hein. C'est le jeu et les aléas du football amateur, justement. Ouais, tu peux pas retenir la chance. Gilles, ne t'inquiète pas, la famille Clafoutis arrive. 3-4 joueurs. Hein. Après, tu as la chance d'avoir certains joueurs qui ont un niveau au-dessus, qui viennent là aussi pour se relancer. Hein. Bien donc, sûr. Ça on a toujours fait. Tu leur as tendu la main, par exemple, à Vincent. On peut pas lui en vouloir. Ah non, je dois pas rien lui dire. C'est un club de deux, viens, le prend. Il est venu te faire, il t'a fait une super saison et si tu lui rends énorme. Le. Il est énorme. Moi j'aimerais par contre garder l'ossature, style Bogognan, tout ça, faudrait essayer de prendre les gardes. Bogognan, Ombiguin, tout ça. Voilà, ça, faut vraiment les garder absolument. Hein. Bah, il va de pister le 1er janvier, allez. Allez, Biggie. Vamos. Combien on a alors? Est-ce qu'on a le. Mérité, oh, il a explosé, il a explosé. Non, mais de trophées. Ce voilà, il en a deux et deux, là c'est deux, le match. Santelli Moretti pour l'instant. Deux et un. Oh, je c'est pense pas mal, que hein. Boko va coller là. Ah, Boko, ouais. Il va coller, allez, quelques points, Boko, faut qu'il s'énerve là. Non, il joue. Boko le joueur, il commence à jouer. Il devrait y être lui aussi. Bon, après, c'est pas nous qui choisissons. Les gens qui votent. Ouais, mais il va rentrer dans le. C'est comme je vois ici. Oui, j'aimerais moi qu'il rentre. Allez, on va avoir un petit mot quand même sur la Coupe de France. C'est sur le camp. Oh là 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 là, il m'énerve. On va mettre un peu l'ambiance parce que c'était bourré. On va voir l'ambiance qui est machinée. Ah, c'était Rosy.
Pascal, c'est... Alors, on a revu le temps d'une soirée. Oh là, que c'était beau, hein. Bon, on avait lancé l'appel objectif 10 000 supporters, qui a été un succès quand même. 10 003. Je n'étais pas content, ça n'est pas les 3. Hein. Tu faisais 14 000 lions. Imagine. Non, mais c'est bien, on est tous contents. Voilà, bon, après... on a été bon, éliminé au tir au but. Hein. Après un Quelle match, horreur. Un 2-2 égalisateur en plus. On égalise encore. Vaillant, tiens, ouais. Moi j'ai une anecdote à te donner sur un tireur de pénalty. Attends, on va y arriver au pénalty. Vous êtes d'abord, on va voir deux anciens bleus aussi qui ont joué, hein, Njiku et notre ami. Il était là, Njiku ? Eh oui, il a joué quand même son petit mandat. Voilà, ben. Ah, mais dans le match, je l'ai pas vu. Même qu'il a fait comme ça quand il a mis son péno. Oui, il a fait comme ça. Bon, comment vous les avez trouvés, alors, justement, des regrets? Rien. Djiko et Beauvau n'ont pas joué le match. Hein, Tu crois qu'ils n'ont pas joué? Quand, après le match, là, j'ai dit, ils vont descendre. Ils n'étaient pas encore relégables. Ah, mais c'est bon. Là, maintenant, je les mets en côté match. Toujours perdant, match nul. Oui, mais Roland est arrivé. Mais Roland, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Est-ce qu'il y a des regrets sur ces joueurs? Allez, des regrets. Comment des regrets? Du coup, je ne l'ai pas trouvé. Non, je ne sais pas si. Ouais, mais c'est parce que c'est ce match-là, je pense. Il n'était pas. Moi, j'ai trouvé mauvais. Je m'inquiète pour Beauvu. Beauvu, voilà. Quel niveau. C'est devenu le pierre de bloc des temps modernes. Encore pierre de bloc. Non, parce qu'on voit aussi. Le pierre de bloc. Qui n'était pas là. Et un autre. Ça ressemble un peu au Sporting de l'autre côté. Ouais, oui, non, mais ils vont tout droit là. Diarrhée qu'on avait un peu. Dans le contenu, c'était quand c'était d'une faiblesse. C'est que dans le jeu, ils ont continué qu'eux, ils ont joué. Pour qu'une Ligue 1 laisse le ballon à une National 3. Putain, c'est compliqué. Je pense que mentalement, il doit être au fond du coup. Il faudra ce plaisir même. Et tu m'as demandé Jiku, comment on a trouvé Jiku, voilà. Comment j'ai trouvé Jiku, c'est Jiku qui couvre leur jeu, qui est marquage et qui le couvre sur leur jeu. Même sur les longues mètres de lui aussi. Je l'ai pas trouvé. On va les pénaux. Ah non, ça je peux pas. Ça tu n'as pas le droit. Regarde. Mais tu vas bien, tu vois. Il regarde ton Jiku. Ils ont fait un gros 5 sur 5. Ton Jiku. Tu as liké. Ah là. Regardez ça, c'est beau. Oh. C'est le gardien avec les abdos, il est mort. Le vent contre le béton. C'était osé. Contre-pied, ok. Koulibaly. Autant à Minefoot, on va réussir à faire changer là maintenant. Regarde, tranquille. Voilà. Il va encore. Bien tiré ça. Très bien tiré ça. Ils sont bien tirés. Ouais, ils ont fait un beau 5 sur 5. Ils sont bidons, mais les gentils tirent bien. Ton chou, regarde ton chou. C'est bien ton chou. Hop. Regarde ton chou. Il est beau ton chou. Oh, ouais, belle mine. La suivre. On lui se doit. La vaille. Alors, là, il y a aussi. Voilà, bon, on arrête là. Voilà. Parce que je voulais mettre garder celui à clafoutis. Viens tout seul. Voilà. Bon, après, on va mettre clafoutis maintenant. Celui qui fait mal. Allez, on regarde. Écoute, le gardien, s'il part à contre-pied de l'autre côté, il a le temps de revenir. Il a le temps de revenir. Comment il s'appelle, celui qui avait tourné, là, le nôtre? Il a le temps de revenir. C'est beau, c'est beau. Alex, c'était beau. Il a le temps de revenir. C'est de la merde. Okay. Moi, c'est pas le pé... Tu comme quand il marchait. Est-ce qu'il lui en veut encore? Elle est là. Je là. Anthony, il m'a fait tes beaux quand il plongeait. Moi, je l'ai fait clafoutis quand il va être le pé. Même ceux de la cornue, ils sont plus heureux que lui. Il est allé à l'abattoir quand tu es parti. Bon, on l'a tous vu. Qu'est-ce qu'il lui en veut encore, elle? Ah bah, le dimanche, j'ai joué un match de coup de corse avec 2014 à la Casinique, que j'embrasse. Et sur les 5 tireurs que j'avais, il y en avait 4 qui ne voulaient pas tirer. À cause de Clafoutis. Donc j'ai demandé qui. Le scénario, il est à peu près similaire. C'est-à-dire, on est au 2-0 à la mi-temps, on revient à 2-2 en fin de match. Donc on va au tir au but. Celui qui rate le tir au but, chez mon père, on perd 5-3 comme le Sporting. Hein. Celui qui rate le tir au but, c'est celui qui tire habituellement les pénalties avec moi. Et les gamins qui n'ont pas voulu tirer,
Il a dit, vous tirez fort sur un côté. Ils ont tiré fort sur un côté, ils ont tous marqué. Alors, je comprends pas, non mais... comment on peut aller tirer un pénalty avec cette conviction-là, Attends, il faut remettre aussi dans le... Il a raison. Et son match à la base, en plus... On lui en veut pas, Maradona, loupé le pénalty. Zico, Platini, tous Messi en comme dimanche. Je pense qu'on lui en aurait moins. Mais, dans la vie, c'est ce qu'ils comprenaient pas les gens qui commentaient, ça arrive. Les gens, parce que les gens, quand tu dis sur Facebook ou Twitter, ils te disent bêtement, Maradona, mais je le sais très bien que Maradona, j'entends pas Pierre-Paul Jacques pour m'expliquer. Mais dans la vie, c'est des trucs de conviction et de ce que tu mets dans ton intensité. Comme il dit Jean-Marie, si tu vas aller à l'échafaud ou au truc. La Corus sont plus heureux que lui. Les gens sur la Corus sont plus heureux que lui. Après le tour d'avant, c'est deux tours avant quand t'es senti, il rate le tir au but. Oui, mais il fait un match moyen, il rate le tir au but. Il avait de la conviction. Je suis d'accord, mais sentez, il est le match contre Concarneau. Il a la gastro. Il fait quand même un bon match. Il pèse sur la défense. Il va tirer penalty, tire dessus, mais Clafouti tire comme une femme enceinte à terre. Hormis le cas Clafouti où il déconne. Moi, j'ai discuté avec Christophe Vincent. J'ai une chatte dans la gorge. Christophe Vincent me dit, je n'ai pas voulu tirer, pas parce que j'étais crevé ou les crampes comme je l'ai entendu. Il a dit, c'est parce que contre Fourian et Concarneau, j'ai pas tiré. Comme il n'avait pas tiré, il a dit, j'ai la superstition. Santé, il est en confiance, il a égalisé. Vas-y, tu as un attaquant jusqu'à la fin de ta carrière. Attends, tu as un attaquant jusqu'à la fin de ta carrière, tu arrêtes alors. Non, mais parce que Concarneau, tu arrêtes. Après, peut-être qu'il pense qu'il va avoir le money time. Des fois, ça finit à 5-5. Si on prend les 5 qui ont tiré contre Concarneau. Même Gilles contre Monaco. Il y va contre Monaco. Oui, mais c'est sur le moment, mais ça après. Oui, mais attends, s'il tire, qu'il le loupe, on va dire oui, mais. Non. Et cela sentait pas, tu es forcé à tirer. Non, Jean-Marie. Moi, je n'en veux pas, encore une fois, c'est pas qu'il est loupé. C'est la manière dont il est. La nuance, elle est là. Moi, je n'en veux pas d'avoir loupé, parce qu'il a loupé. Toi, tu lui en veux. Moi, je lui veux de la conviction. De la manière dont il est allé, c'est tout. Après qu'il est loupé, je n'en veux pas. On en revient toujours. Mais c'est là contre Bagne, je sais quoi. J'aurais voulu qu'il marque. Il n'y a pas qu'il est en plein milieu. Mais bien sûr. Est-ce qu'il a demandé, lui? Oui, non, mais il a été candidat, le mec. Gilles, il serait pas les quatrièmes. Je sais pas, je sais. Oui, il est candidat, là, il n'y avait que des candidats. Et beaucoup devaient être cinquième. Même quand ce matin, il a dit manquer par le jeune. Effectivement, il a 29 ans. Hein. Je rappelle qu'il n'est plus jeune. Ouais. Officiellement, après, on ne lui en voudra pas. J'espère qu'il va faire une bonne fin de saison. Que... Et on l'a puni. Il a même été puni, vous allez voir. Il a été puni. Regardez. Avis de sa faune. Bonjour, maman. Je peux te dire que ici, il fait vraiment froid. Il pleut blanc. Je comprends pas, maman. Il pleut dans le. Regardez, il y a que. C'est la pluie. Ah, on l'a puni. Avis de sa faune. Donc laissez-le tranquille, on va le laisser tranquille. Clafouti, tu reviendras plus fort. Bon voilà, vite, ça va. Il peut nous faire une scie là, comme contre Créteil à l'époque, allez. Il reviendra. Mais de la conviction, manque de la conviction. Non, c'est vite, ça va, il a mis la conviction. Voilà. Il a tiré des pénalty dans la neige, il reviendra. La son. Il pleut de du bleu. Non, moi je lui excuse, oui, mais après j'ai encore la haine. C'est la sensation émotionnelle, si on égalise à la 117ème. Non, mais attends, tu sais ce que. Le Franz Bocover, il a été énorme là. Là, alors, il nous a montré, mais alors, dribble, petit pont, il repasse, il envoie. Il les a tués, les attaquants. Là, il a été monstrueux. Les anticipations et tout, il les a tués. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il a joué blessé. Qu'est-ce qu'il fout chez nous? Qu'est-ce qu'il fout celui-là? Comme il n'a pas joué un petit peu ça. Il a joué, au bout de 10 minutes, il prend un jaune. Au bout de 2 minutes. Enfin, moins de 2 minutes de jeu. Je veux dire, il a joué plus de 100 minutes. Un sang froid, il a eu un sang froid. Avec une épée d'avocat sur le tracé. Incroyable. Les arrivées d'attaquants les a tués. C'est la seule fois où il était en retard, c'est quand il prend le jaune. Non, lui, Vincent, c'est il n'en sait pas. Moi, c'était les 2 la défense bourgogne de Guibert au niveau de la relance, c'est quelque chose de. C'est très, très, très fort au niveau de la relance. Franchement. Qu'est-ce qu'il fait en 3 ce type-là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne doit pas être là, ce type. Minimum Ligue 2. Ligue 2, avec. Allez. Tu sais, dans une carrière, le facteur chance, il est très déterminant. Ah là, c'est la facteur moins chance, lui, là. Moi, j'ai un certain, c'est des arnaques en Ligue 1 et d'autres tués. Moi, je pense que... Il a bien été pris en marquage par les attaquants. Saint-Ruf, tu te rappelles le Saint-Ruf? Et l'autre, Rose. Saint-Ruf, Rose, qu'on parle beaucoup. Saint-Ruf, il a été... Saint-Ruf a été valet. Mais tu sais que... Là, c'est la chance. C'est une chance pour lui. C'est le nom de la Rose, oui. C'est une chance pour lui, parce qu'on peut essayer de gravir des échelons. Et s'il reste au club, il peut peut-être...
Parce que je sais pas que si maintenant, si l'année prochaine il part pour un club de Ligue 2 ou Judy Le Gaz par exemple, je sais pas, hein, je dis une connerie là. Non, mais il pourrait. Il pourrait, le niveau pour jouer en Ligue 2, mais moi je pense qu'avec nous, le cas de rester, peut-être. Moi je crois qu'un Vincent ou un Bocognan, aller au Gaz devant un public qui n'existe presque plus, ça les fait chier. Il y a l'argent, c'est vrai. Mais bon, il vibre, il vibre avec le public. Oui, mais Bocognan, dans sa famille là-haut, tu vois, qui a rapprochement de ta compagne. En Corse, en dehors du Sporting, tu te fais chier. Mais moi, Johan, je pense, j'ai confiance, je pense qu'il va rester. Non, je pense. On espère tout. C'est le profil, je pense. C'est le profil, voilà, exactement. Le profil. Vincent, c'est normal, il est en pleine encore, il vient d'avoir un enfant. Il a une carrière, quoi. Il peut encore. Beaucoup aussi, il a un enfant en bas âge, tout ça, mais je sais pas, il est plus. Après, même Christophe, il est tellement bien chez lui, parce qu'il est de retour chez lui, il était parti à Ajaccio. Oui, Christophe, il est aussi. Ouais. Christophe, savoir ce qu'on lui propose. Mais... Il y a juste le côté financier. À part une Ligue 2, je vois pas ce qu'il pourrait nous enlever. Le côté financier. Et anecdote, la coupe aurait rapporté au Sporting 400 000 euros le prochain tour, hein, avec la recette et tout. On a reçu Lyon. On a reçu Lyon. Voilà, voilà. Ouais. Magnifique. Par contre, s'il y avait la petite question qu'on s'est tous posée, s'il y avait les deux Argentins, alors Moretti et Salisu. Tu gagnes. Moi, je pense qu'on va faire le match. Moretti, tu gagnes par rapport au changement que tu fais. Ça sera la question qu'on va se poser plus facilement. Par rapport au changement que tu fais. On est un peu plus fort sur le banc. Je pense que tu aurais pu gagner. On est plus fort sur le banc. Parce que Lafouti reste en cabine d'Aquarius. Tu as tes deux meilleurs joueurs. On est plus fort sur le banc. Pratiquement tes deux meilleurs joueurs. Plus de Chami répondu. Si on a retrouvé le Chami répondu au stade, on va le mettre, c'était beau. Bon voilà, ça a bien suivi, c'était beau, hein, ça, de retrouver ça aussi. On a retrouvé une petite unité dans le petit, enfin, le supporter, quoi. Bien. De retrouver un peu la Nord avec la S, ça, ça fait temps, du bien. Le temps d'une soirée, tu as eu le Oni qui est de retour. Hein. C'était très propre. Franchement, tu as eu tout le monde qui a été uni. Les 5 minutes qu'on suivait le second but, c'était extraordinaire. Ouais. Chaque tribune chantée était debout pendant 5 minutes. Malgré une petite polémique, on va en parler là rapidement aussi, mais c'est quand même une polémique sur ça. Bon, il y a la belle vidéo du Sporting, hein, qui était pas mal, 3 jours avant la rencontre. On voit la vidéo. J'ai fait une promesse, un objectif. Je vais vous le rappeler. On voit du fumier dans la vidéo, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'ambiance au fumier du stade. Ça enflamme tout le monde, bon, tout le monde était content. Bon, je vais la passer, ça va la mettre en chaîne, voilà. Et ce suivi, ce communiqué 2 jours avant la rencontre sur justement ils ont raison, les jeunes, quand ils disent « Mais alors pourquoi vous nous montrez dans les vidéos ?» Sur le risque du craquage, c'est un peu malvenu. Et bon, après, je vais lire le dernier petit paragraphe. Enfin, je vais citer. Bon, le Sporting Club Marseillais se montrera désormais extrêmement vigilant quant à l'utilisation d'engins pyrotechniques au sein du stade à Marseille et se donnera le droit de prononcer des interdictions du stade aux personnes altérant son image et son fonctionnement. Pourquoi ? Parce que contre Concarneau, il y a eu 10 000 euros d'amende, c'est ça ? C'est ça. Bon, après... Est-ce qu'il fallait formuler comme ça? Je dis non. Est-ce qu'il fallait faire une mise en... Enfin, c'est au mois d'août qu'il faut parler avec les gens. Même là aussi, Jean-Marie, tu aurais pu monter... C'est au mois d'août. Après, nous, on a fait avec... nous, on a sorti le communiqué après avec les sociaux. C'est un jour après. Là, par exemple, ils auraient pu consulter... si tu consultais pas les sociaux, ça venait faire un communiqué comme ça... Si tu veux parler à ton peuple, il faut... Après, c'est pas, on ne trahit pas un secret, parce que bon, vu que ça a été mis sur les forums et autres... Ah oui, sur les gens, bien sûr. Bon, on n'a pas été consulté sur ce communiqué-là. Je pense que c'est une petite maladresse. C'est dommage. Ça intervient... Le timing n'est pas très bon non plus. Vraiment pas bon, le timing. Sur le fond... Bien sûr qu'ils ont raison. Ils ont raison, parce que on l'a vu quand on était en national à l'époque. On avait dit, regardez les gars... On est vraiment... On l'avait fait, on l'avait dit pendant 2 ans sans faire. Arrête les paquets niveau finance, ça coûte trop cher, on est... Mais on est bien d'accord. En tout cas, là, il faut être plus, je pense, dans la pédagogie, parce que quand tu regardes les profils, les jeunes, c'est des jeunes, ils se têtent de vidéos. Bien sûr, du matin, bien sûr. Sort, mais celle du Sporting de la veille, 90. Il y a bien les fumiers. Voilà, je pense qu'il y a une petite maladresse, après... Oui, c'est voilà, double maladresse de mettre la vidéo avec les fumigènes. Maladresse. Après, c'est sur le fond, le club a 100% raison, parce qu'on ne peut plus se permettre ça aujourd'hui. Non, ça, après, la bah, 10 000 euros, sur la forme, il y a eu une petite erreur, une petite maladresse. Beaucoup de joueurs, je pense que ça a été compliqué. Non, mais parce que il faut comprendre que ça n'a jamais marché, hein, ici à Bastia. Hein,
La délation. La menace. La menace, la délation, ça ne marchera pas. Exactement. Hein. Ça, il vaut mieux maintenant qu'on a national 3 qui se le met dans la tête, qui pense pas que, tu vois, je veux dire. Voir les jeunes, non, la France. Voilà, ou n'importe qui, des jeunes ou des moins jeunes, tout le monde a pu faire des trucs. Attends, au mois d'août, tu n'as pas la panique de l'année d'avant. C'est-à-dire au mois d'août de début du championnat, ouais. Tu n'avais pas la panique de l'année d'avant. Tu pouvais aller dire, tiens. Oui, c'est ce que je dis. Avec des gens qui ne sont peut-être pas organisés, parce que parce qu'on te dit qu'il n'y a pas d'organisation. Donc tu vas quand même discuter avec des gens de manière informelle, puisque tu as des gens aussi pour ça autour de toi, soi-disant. Bien sûr. Donc bah, qui les envoie, qui discute. Mmh. Bon, alors, on a fait le petit sondage, on est des fous. Hein. Petit sondage pour, contre les fumis. Hein. Non, mais c'est rigolo. C'est 1500, j'avais quand même la moitié qui était pour quand même le fumis. Tout le monde qui a mis la fumée. C'est rigolo. Non, mais c'est vrai que c'est cher. C'est les amendes, c'est la politique de la. Voilà. Bon, le fumier culture dans le sporting, c'est vrai qu'on aime bien ça, mais je pense que pendant 3-4 ans, il va falloir. Ouais, parce que c'est cher. Ce qu'il y a, ce qui était bien à l'époque, c'est qu'on avait un groupe de supporters, Bastien 1905, qui était omniprésent, qui a dit rien. Plus de fumigène. Yeah, ils étaient bons là pour ça. Mmh, ils ont montré la voie et les gens les écoutaient. Là aujourd'hui, on est un peu. C'est un petit peu compliqué. C'est un peu dispersé. Voilà, c'est un petit peu dispersé, donc on ne sait pas trop. Ceci dit, contre quand il y aurait eu, donc c'est non, que l'appel a été entendu. Voilà, l'appel a été entendu. Moi, si je pense tu que... discutes avec les gens, ils écoutent. Mais il faut mettre les gens en on va te montrer en vidéo, on va t'amener chez les flics. Ça, tu ne peux pas faire ça. Je pense qu'il faut, parler. Mais tu ne vas même pas le laisser faire, ça. Il faut faire preuve de pédagogie. Même si ton voisin, quand tu vas en Sud, qui va tirer un truc, tu ne peux pas le dénoncer. Mais ça, j'ai été entendu contre quand. Le dialogue, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas eu. Bon, s'ils apprennent, mais voilà. De la pédagogie, de la sensibilité. Bon, pour finir la Coupe de France, ils avaient mis la charte là-bas, c'est aussi n'importe quoi, 2 heures après, pour rattraper le coup, bon, bref. Ça, j'ai pas vu ça. Bon, ils ont mis une charte en Corse, je pense. Bon, comme il y avait eu à l'époque la charte, dégueulasse en Ligue 1, bon, ça c'est dégueu. Allez, ils ont voulu rattraper le coup, ça n'a pas marché. Bon. Fini la coupe, hein. Ils ont donné la totalité. C'est bien. Moi, apparemment, c'est Jérôme Négrom qui aurait demandé aux dirigeants de Caen. Ouais. Ils l'ont pas proposé eux-mêmes. C'est moi, j'ai pu calculer 172 000. Jamais j'aurais fait ça. Allez les voir. Jamais j'aurais fait ça. C'est pas grave, on est fouché. On m'en bat les couilles. Jamais j'aurais demandé les soins à Caen. Jamais j'aurais fait ça. 172 000 acquis. Donc, ça te fait du bien. Ouais. Donc après, il y a 10 000 supporters. Je fais moyenne de 20. Ça fait quand même bien 200 000 aussi. 200 000 euros. Tu as la tribune Est, de moyenne. Et tu as un pourcentage pour la fédération. Bon, de moyenne. Un bon pourcentage pour la fédération. Ça fait déjà 372. Un bon pourcentage. Sans compter les autres rencontres. Un bon pourcentage pour la fédération. Moi, j'ai compté environ 400 000. Allez. Tu enlèves beaucoup. Il faut enlever beaucoup. Beaucoup ? Ouais. Il faut que tu enlèves beaucoup. Quand Lyon, guichet, droit télé, tout ça, ça a tué 400 000 net. Rien que Lyon. Ah, moi, on n'y est pas Lyon. On aurait acheté un grand attaquant. Pas d'attaquant sur le marché, même non. Bon, allez, fini la Coupe de France, la Coupe de Corse, rien de l'Orient, TGT. Ah, la Coupe de Corse, madame. Alors, une petite anecdote. Ah, l'anecdote. Sur le footy. Alors, oui. Un vieux a dit, tu vois, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé, il a marqué contre l'Orient. Lui, il a tracé l'Orient. Ah oui, l'Orienté, oui. L'Orient. Bon, même l'équipe, là, sont revenus encore. On revient sur ça, hein, justement, hein, sur les comptes du Sporting. Hein, et... Il y a une bonne nouvelle dans cet article. Hein. Et là, il est quand même en 5, regarde, quand même, c'est bizarre. Hein, pour Philippe, qui est quand même ancien dirigeant, qui est artisan et qui. Pour les voitures. Qui demande l'argent. Hein. Ah, c'est cocasse. Hein, c'est quand même. C'est fou. C'est cocasse. Il n'y a pas du maçon jaune, non. Il y a ton frère aussi, Jean-Marie. Ah, il avait travaillé avec 5000 euros, ton frère. Hein, il avait travaillé avec eux avec l'appareil qu'il a avec Ben Arfa. Ouais. Ça avait fait du bien sur 2-3 matchs, mais. Je te raconte encore une anecdote. Il est descendu quand même. C'est qu'il avait été voir à l'époque le staff médical. Et pas beaucoup de joueurs n'avaient joué le jeu. Hein. Oh non. S'en foutaient. Par contre, l'article, il est bon parce que sur l'affaire Kamadou, tu vas le montrer ou pas? Tu vas en parler? Mais on va parler après. Les Kamadou, sur les sous, bon, on dira. Bon, c'est important, hein. Kamadou peut te sauver. Il y a fusion avec le CB, apparemment. Hein. Qui? Le Sporting. Non. Fusion. J'ai été voir le président justement de CB samedi pour discuter avant de balancer sur les réseaux sociaux. Il m'a dit que c'est vrai, ça fait 2 fois qu'ils se voient. Ils vont se revoir ce jeudi-là. Et c'est bien avancé. Qu'est-ce qu'il tirerait du PHA, apparemment. Le président, que je connais bien, Pierre Pierre, qui est un bon président, qui a fait ses preuves depuis 13 ans, qui s'occuperait de toute la section. C'est un peu ton quartier là-haut. Et oui, non, mais après, moi, je me dis, je veux bien que ça soit toi, mais ça me fait chier pour mon quartier, parce que tu perds tous les jeunes
qui avaient de Montezor qui pouvaient jouer au ballon, qui ne pourront plus jouer. Pourquoi ben justement, tu les gardes. C'est ça, justement. Sportif, ces joueurs n'auront pas leur chance. C'est, un peu, c'est pas des niveaux à jouer. C'est des petits Uruguayens. Bon, alors, d'où la fusion alors, ça va quoi la fusion? Pour alors, la PHA direct. Ça et, serait pas une fusion, ça serait une absorption. Ben, il le sait, il le sait. Mais comme mais il dit lui, c'est quand même, tu parles foot. Lui, il le dit comme ça. Là, si je fais ça, je parle foot. Voilà ce qu'il en dit lui. Mais... Après, bon ou pas bon, moi je sais pas. Hein. Moi, j'ai pas discuté. Moi j'ai dit que j'étais pas d'accord. J'ai dit oui, que tu rentres, ok, dans le Sporting. Mais laisse ton club, le CB, à quelqu'un que le parce CB. Que pour, le quartier, ça sera compliqué parce qu'il n'y a plus le CB. Ils n'ont plus rien. Tout plus, ce qui est monté sur le CB. Il n'y aurait plus le CB, ça ferait. Et c'est ce que je lui ai dit moi. Je dis moi, j'aurais été ok, ouais, 100%. Hein, tu as fait tes preuves depuis. Puis c'est beau d'arriver, à mener, c'est la cerise sur le gâteau, d'arriver au Sporting. Et d'avoir en charge tout ce qui est jeune et voilà. Tu récupères achat. Peut-être des créneaux horaires. Les créneaux, tu vas tout récupérer, la création de jeunes, tout ça, mais bon. Après ça fait un an que ça parle de ça, donc je sais pas vraiment. Moi je sais pas, tu sais, les mariages. Ça fait un an que le bruit court. Bon, bon lui, il est conscient que s'il va se faire bouffer, c'est sûr, hein, mais il dit, mais il sera quand même dans le club du Sporting et c'est quand même pour lui. C'est beau, hein. C'est, voilà, bon, on verra. C'est pas encore fait à 100%. Ça sera de se discuter encore. Bon, ça aussi, qu'est-ce qu'il m'explique? Quand je suis là, faut que tu avais la salle. C'est Jean-Marie Touré. Je sais pas. C'est quoi? J'ai pas compris. C'est une grande joie de retrouver mes amis Jérôme Négron et Claude Ferrand pour le lancement de l'amicale parlementaire du Sporting Club de Bastia. Alors, c'est quoi alors? Ça, j'avais suivi, mais. Je sais qu'il aime avec Michel Castella. Non, mais. Mais c'est quoi ce. Non, ce mais l'Assemblée, ils ont fait des trucs de supporters. Ouais. Qu'il y a ceux qui sont pour le PSG. Lui, il a choisi donc le Sporting. Et sûrement que nos élus. Oui, oui, oui. Ils ont dû faire le Sporting. Michel, il a fait ça, il me l'a dit. Voilà, il a fait, et je pense que la salle, il a rejoint eux. Ah, ok. Dans l'Assemblée, ils ont fait ça, c'est pour le truc, mais c'est déjà un mois, deux mois. Il y avait des députés de. Il y avait l'OM, le PSG. Ah, moi j'ai Bastia depuis papy. Voilà. Non mais les gens ne comprenaient rien. Et nos députés, voilà, ils l'ont pas expliqué, mais non, je pense que c'est ça. Depuis papy. Très bien la salle. C'est bien la salle. Il a choisi Bastia plutôt que Paris, PSG. Ah oui, oui, l'absolu. Paris, l'OM. Paris, je pense. Il y a plus nos jeunes rapidement. L'académie. Julien Mogna. Ouais. Julien Mogna. Bon, les 19 ans nationaux, à nos 19 ans, ils n'ont pas pu. Enfin, match nul 0-0 contre Nîmes, qui, toi, Floumélida, aussi un bleu qui entraîne Nîmes. Hein. Bon, 0-0, on n'a pas réussi. Il faut du coach. Hein. Je vois le classement, bon, on est né dans les derniers, 13e sur 14, 16 points. Béziers devant et l'Olympique de Marseille aussi devant. Béziers ici, hein, quel horreur. Et ouais, c'est là, c'est sûr qu'ils ont tué. Hein. Le Béziers, ils nous ont Béziers. Bon, on ne l'a plus. Bon, ben. Ça va être dur. Ça va être dur, mais. Mais là, pour les prochains matchs à domicile, il faut que ça soit la priorité, il faut que les gens ils aillent au stade pour encourager. Ouais, mais là, ils nous mettent le match justement en même temps que la équipe. Il y a eu ce coup-là. Et quel coup c'est? Alors, c'est quoi ce coup? Mytho officiel, quoi. C'est quoi ça? Mais sur les prochains matchs. Alors, c'est quoi ça? Et je sais pas, après, tu as. C'est quoi? C'est la fédération. C'est la fédération. Ah, c'est pas la fédé. C'est pas la fédé. La fédé, tu appelles et tu le décales. C'est la fédération. C'est tous les dimanche. C'est un mytho officiel, c'est ça? Non, pas. La Fédé, ça marche pas comme ça. Toi, Philou, était d'accord, il te l'aurait joué le dimanche, tu l'aurais fait. D'accord. Mais après, faut qu'il soit d'accord. Mais après, tant que la Fédé ne donne pas son accord. Pas été d'accord. Tant que la Fédé ne donne pas son accord, toi, Philou. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Nîmes, il peut être. Est-ce qu'ils ont demandé d'accord tant qu'il veut. Bon, la R3 aussi, la R3, bon, qui a fait aussi 2-2. 2-2 contre, par exemple. Sartène. On monte pas alors R2. Mais bravo, Sartenay, match à midi. C'est pas, qui sont levés à quelle heure certaines match à midi hein. Ouais, mais non, c'était à 14h finalement. Belle équipe peut sortir à 14h. Ouais, l'équipe de moi je pense pas qu'ils montent à la R3 non. Belle équipe de jeunes. Parce que ça fait encore. Bon, s'il n'y a pas la fusion, on va savoir quoi. R3 l'année prochaine. Hein. Bon, victoire des 18 hein, face à Borgo 2-1. D'ailleurs, le Rivelli, tant Rivelli l'a marqué. Le Rivelli avec un petit arrêt du fils à Joe Bazzai. Et Joe Bazzai aussi. Il est là présent. Voilà. Penalty que tu n'as pas vu. Voilà, que je n'ai pas vu. Aussi faut préciser quand même. U16 élite 6-2 face au Galia. 6-2 aussi. Ils sont cheminés vers le titre, ah, U16. U16 R2 ouais. Aussi qui a gagné 7-2 face au Officier. Bon, ça gagne. Je regardais aussi. Il reste 7 matchs, comme je vous envoie son petit message. 7 matchs aux 16 ans pour être champion et avoir les 17 ans nationaux l'année prochaine. Hein. C'est beau hein, ça. Moi, je suis content d'avoir un peu les nationaux. Ça manque hein, quand même. Hein. Les 17 ans solo, ça tu te râles le plus. Ah, c'est le top. Hein. C'est entre les deux où tu peux percer. Ouais. Et apparemment. Et puis ils ont un bon groupe. Pour dire que les 16 ans, on y va régulièrement. C'est plaisant. Quand tu parles d'accession, le monsieur sécurité que j'ai vu l'autre jour,
qui me parlait de Hamoud. Ouais. On va droit dans le championnat N2 de Groupe Nord. Hein. Ah, ça serait plus tranquille. On va pas dans le sud. Hein. Moi, je suis content. C'est mieux. Oui, c'est quoi qu'on va pas avoir peur des Andoum, on peut des Poulons, tout ça. Non, c'est pas peur, on est fous, nous. On va partir faire des trucs. Non, 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 non. Bon, aussi info, Camano, je sais, on en a parlé tout à l'heure. Alors, Camano, le mercato Bordeaux réverserait 10% au futur transfert de François Camano. C'est magnifique. Il paraît que c'est reversé aux anciens dirigeants. À la SASP. Donc, c'est pas l'association. Donc, on ne prend rien. Tout va aux anciens dirigeants. C'est pas pour toi. Hein. On finit. Ouais, mais le liquidateur, il peut payer des trucs et nous laisser tranquille. Il va rien nous laisser. Non, mais le liquidateur, tu peux te mettre après, il peut y avoir une faille juridique qu'on comble les 600 000 euros là. Lui, ça veut pas. Lui, c'est un truc à part. Hein, ça. Bon, on aura rien donc. Eh non, mais tu ne vas pas recevoir rien, c'est un fou. Tu n'as rien sur ça. Un grand merci. Vas avoir mes invités de formation. Non, on n'a rien. Le tout petit pourcentage sur la formation. Et Anthony, une partie est aux anciens dirigeants dans la quatrième Zigzou. Allez, Chicoco, viré de la balle, ça y est, voilà, ça fait de la peine. Il a fait un pas de le drone, non, mais ça fait de la peine. D'ailleurs, ils ont perdu les deux derniers matchs. Ouais, là, ils ont perdu les parties, ils ont perdu les deux matchs. J'ai pas compris cette histoire là-bas à Laval. Parce qu'ils partaient bien là-bas. Ils perdent 3-2 à la mi-temps. Ils gagnent le match 4-3, et à la fin, il a craqué, bras dans l'air. C'est le Chico. C'est le Chico, ouais. Bon, il y avait aussi Lec, allez, j'ai plus. Lec. Faut rien regretter dans la vie, il s'est passé ce qui s'est passé, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je reviendrai dans mon club de cœur, ça c'est sûr. Quel que soit le niveau ? N'importe quel niveau. Et comme joueur ? Ah oui, faut finir avec le maillot bleu. Parce que c'est au remontage national. J'ai vu les gens qui pleuraient mieux là sur Camp Pérem, quelle horreur. Il y a eu le tweet de Toulouse avant qu'il la rencontre de dimanche. Hein. Humainement et professionnellement, Yannick Cahuzac est quelqu'un d'extraordinaire. Il est très apprécié au club. C'est un garçon que l'on a envie d'avoir dans son effectif. Je m'appuie beaucoup sur lui. Il est remarquable. Oh, il a marqué un but. C'est Casanova, l'entraîneur. J'ai vu avant le but. J'ai vu le tir de Clafoutis. Le tir de Clafoutis. Attends, ce but-là. Il met la haine. Hein. Il gagne le duel déjà. Hein. Ouais, à la tête et après il met le but. Bon. Bah, c'est beau, ça fait plaisir pour le KU1. Ils le mettaient sur le banc, mais là ils ont compris que c'est. Maintenant ils font jouer. Et puis j'ai regardé les trucs des supporters. Ils le veulent. Ils sont déçus de tous les joueurs. Ils veulent le prolonger. Il faut le prolonger. Bon, il y a aussi Mokoulou. Vous avez vu Mokoulou à la Juve. À la Juve. C'est magnifique. Quoi ? C'est le joueur qui est arrivé. C'est des U23 de la Juve, sont en 3ème division. Et ils ont droit à 3 ou 4 joueurs depuis les 23 ans. Et là, c'est récupéré Benjamin Mokoulou. C'est Jésus l'agent. Jésus, ça va. Ouais, ça porte les étoiles. Et il a marqué, il marque quand même improbable. Autant, si un des 4 hommes de blessés, il va jouer en série. Il a des Wabi quand même. T'as vu sur le Wabi là, ça comme il est bon. Mon Wabi quasi. Ouais, tac. Petit papier, paf, hey. C'est du grand, ouais. Ça change des peureuses. Ça change des... Non, mais, tu vois, regarde, Chakabela, là, il tombe. Ah. Non, moi, je pense beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour Ntep. Je pense beaucoup à Ntep, souvent. Petit clin d'œil aussi à Salah, hein. La photo, elle était belle avec Chogny et tout. Hein. Putain, il jouait contre lui, ça vous appelle la peine. Enzo a marqué le but. Hein, Bah après, le comeback aussi de Shimondao. Ouh, cette dixième division. Bon, mais oui, mais non, il aurait pu éviter. Quelqu'un va parler de Shimondao. Dixième division anglaise, il va signer. Il a quel âge ? Il a fait 39 ans, il peut jouer 39 ans. Ah, c'est dur. Ah, peut-être qu'on peut le faire revenir au Sporting. Non, Chago. Peut-être. Allez, on va finir dans la bonne ambiance. À Cabela aussi m'a régalé. Hein. Fan de télé-réalité, Cabela. Oh, Cabela, là, tu les fais passer pour des Mongoliens. Hein. C'est horrible. On finit, mes amis. On finit avec ça. Écoute,